bonjour à toutes, bonjour à tous. Merci d'être de plus en plus nombreux à regarder cette chronique où on parle de l'étymologie d'un mot. On essaie de découvrir, vous et moi, un mot que l'on n'utilise plus beaucoup, voire plus du tout, ce qui est le cas de ce mot en ce qui concerne mon vocabulaire. Voilà. Si. Alors aujourd'hui, j'ai choisi le mot admonestation. Qu'est-ce que veut bien pouvoir dire admonestation ? Alors, découpons ce mot. Je vous donnerai la définition officielle du dico dans un petit moment. Rassurez-vous. Oh, bah oui. Non, il y en a qui s'emballent la code. Cool. Admonestation. Alors, déjà, qu'est-ce qu'on entend ? Admonestation. Monnaie. Donc, c'est quelqu'un qui a de la monnaie. Oui, vous voyez ? Eh ben, je pense. Hein. Et ensuite, station. Admonestation. Donc, c'est quelqu'un qui est dans une station de métro, qui attend le métro et qui a de la monnaie à la main. Ce con, il n'a pas encore pris son ticket de métro. Alors que les machines sont peut-être derrière lui, il suffit de mettre la monnaie, justement. Donc c'est un mec qui est con, qui a de la monnaie dans la main et qui attend le métro. Enfin, je pense que c'est quelque chose dans ce style. Hein. On regarde. Alors, admonestation. Ah bah non, pas du tout. Bon bah désolé. Oh. Bah ouais mais bon. Au revoir.